Notre souci, c'est que la pratique du sport et la pratique du football, notre discipline, se déroule en toute sécurité, convivialité. C'est un lieu de partage, d'échange, de dialogue. Après, la loi du sport fait que l'on gagne, l'on perd, enfin, un match nul, c'est la règle. Mais la règle n'est pas de gagner à tout prix, et avec une pression, ou alors avec des intimidations, soit sur les officiels, soit autour des terrains. Alors, d'une façon générale, les arbitres maîtrisent les acteurs sur le rectangle de jeu. En retour, ce qui est autour de la main courante, l'arbitre ne peut pas intervenir. Et c'est là la difficulté que nous ressentons et que nous constatons, que les clubs sont tout à fait démunis. On est dans un espace privatif, si on peut dire, mais ça devient, je dirais, de l'ordre public. Et l'ordre public, ce ne sont pas les clubs, ce n'est pas la ligue qui peut, ou les districts qui peuvent le régler. Ça appartient, je dirais, au domaine public, même si on est dans une enceinte un peu privée.